a le droit d'aller voir? Avec la clé ou sans la clé? Ah ben comme vous voulez, moi l'essentiel c'est que je puisse rentrer. Je pense qu'il faut y trouver une clé. Ah c'est la clé ça? Ah oui. Ah mais elle est incroyable cette clé. Mais elle date de quand cette clé? 1264, au moins. 1264? Au moins. C'est dingue, ça servait de brosse à dents aussi ou pas? Non, sûrement pas une brosse à dents. C'est bon, c'est bon, Denis. Ouais, c'est bon. Ouais, bravo. Ouais, punaise. On remue, si on remue, pour les pompiers solidaires. On remue, si on remue, pour les pompiers volontaires. T'as un panique au départ. Eh, bravo. Philippe, où est la clé? Arrête tes conneries. Ah non, tu vas pas te faire. Oh putain. Ah non. C'est un retour sous couvre-feu. À 23h, on rentre à l'hôtel. Ces trois amis parisiens admirent l'Atlantique depuis deux jours. Jamais ils n'ont pensé à annuler leur voyage. Ça n'entachait pas plus que ça, finalement, ouais, ce qu'on avait prévu, quoi. Nos soirées seront plus calmes, mais on se lèvera plus tôt. Écoutez, je veux bien que vous me donniez des leçons. Je vous connais depuis 30 ans. Vous fumez deux paquets de cigarettes par jour. Alors vous allez arrêter en sortant de fumer. C'est la même chose. Si, c'est la même chose. Et c'est votre la responsabilité individuelle quand vous allez. Je ne fume pas deux paquets. Ou un paquet. Par jour. Philippe. Philippe. Mais non, parce que quand vous allez aller en réa. Quand vous allez aller en réa, c'est la responsabilité collective. Avoir un bon copain, voilà ce qu'il y a de meilleur au monde. Un bon copain, c'est plus fidèle qu'une blonde. Mais c'est pas une attaque personnelle, réponds, Philippe. Je te réponds, parce qu'on te connaît depuis 30 ans, je vais te répondre franchement. Je paye mon paquet de cigarettes 10 euros depuis 10 ans. Oui. Je ne mets personne en danger avec ma cigarette, ce qui n'est absolument pas le cas du virus. Puisque mais le quand virus vous allez aller à l'hôpital. Mais je n'irai pas à l'hôpital. Ah bon. En payant le prix de le paquet de cigarettes 10 euros, il a largement payé sa place. Alors je retire mon attaque. Ils ont dû montrer patte blanche. Le pass sanitaire et une pièce d'identité sont exigés. Chaque client doit fournir une preuve de vaccination complète depuis au moins 14 jours ou un test négatif de moins de 48 heures. Les videurs sont intransigeants. Non, je l'ai pas. Et les déceptions nombreuses. Dans la file d'attente, cet habitué a du mal avec ces nouvelles règles. C'est vraiment dur. L'improbable soutien des Teletubbies à la campagne de vaccination contre le Covid. Les quatre personnages du programme britannique pour enfants lancé à la fin des années 90 affichent leur certificat de vaccination sur les réseaux sociaux. Tinky Winky, où l'on apprend au passage que Tinky Winky, Dipsy, Lala et Pooh sont majeurs et vaccinés donc. Si même eux ont reçu leurs deux doses, vous n'avez plus d'excuses, peut-on lire dans les commentaires. À l'intérieur, pas de masque. Et le plaisir de retrouver la piste de danse pour ceux qui ont pu rentrer. Ça fait du bien, ça fait du bien. On danse, ça faisait longtemps. Et puis tout, l'ambiance, la musique et tout, ça a manqué. Malgré la jauge de 75% et les restrictions sanitaires, le patron est content de revoir ses clients. Un slow langoureux qui commence, puis il y a une copine qui me dit « T'as vu ton mari ?» Je dis « Oui, you ?» Puis alors, il dansait avec une espèce de blondasse bimbo, là. Là. Super. Il dansait tendrement le slow. Alors, je l'ai regardé, j'ai fait... Ah, carrément ? Carrément. Une cérémonie du divorce. Ouais. On fait la fête pour un divorce. Oui. C'est une tradition ici. Quand une femme divorce, ses amis et sa famille se réunissent pour faire la fête. C'est un camion. Enfin, peut-être que c'est juste un camion qui passe. Hein. Non, je pense que la mariée est dedans. Elle est derrière. C'est bien la mariée. C'est pas mal hein, ce qu'ils ont fait quand même. C'est joli. C'est surréaliste. Et pourquoi vous êtes contente que votre fille divorce ? Je suis très contente parce que ma fille était malheureuse avec son mari. Mais aujourd'hui, elle est libre. Allez, tapez sur les tambours. Applaudissez. Et j'ai crié, crié, Aline, pour qu'elle revienne. Et j'ai pleuré, pleuré, pour jamais trop de peine. Si la flamme olympique brûle, pour la première fois, le relais est lui statique. Une flamme transmise de porteur en porteur sur la même estrade sans jamais parcourir les rues de Tokyo pour éviter toute éventuelle contamination. Une image inédite dans l'histoire olympique, mais Rion, 15 ans, est tout de même fier d'avoir été choisi.
Hip. Hop. Hip. Hop. Hip. Hourra. La fierté d'un pays et de son premier ministre Boris Johnson, mais aussi de fans étrangers comme Tom Cruise qui a téléphoné aux joueurs pour les encourager. On sait ce que le football et la sélection représentent pour les fans dans tout le pays. On est très heureux et on va tout faire pour les rendre encore plus fiers ce soir. Lao Tse disait, pour être vainqueur, il faut gagner. L'Italie est championne d'Europe à l'heure où je vous parle. Ça faisait 53 ans que les Italiens attendaient ce titre européen. Est-ce que c'est mérité, Alain Bogossian ? Les quatre acteurs ont signé pour le grand frisson, casting impeccable. Virgin Galactic rend l'espace accessible à tout le monde. 16h, entrée en scène des super-héros, tapis rouge et aide d'honneur. 40 minutes plus tard, le vaisseau Virgin Galactic quitte la surface de la Terre. 3, 2, 1, release, release, release. Clean release. Ignition. Largué à 15 000 mètres d'altitude par son avion porteur, l'avion spatial Unity passe le mur du son en quelques secondes et grimpe. En quelques minutes, il atteint 80 000 mètres d'altitude, seuil officiel de l'espace selon la NASA. Bravo à toi, Richard, et à tes coéquipiers. Vous devenez astronaute aujourd'hui. Je pense qu'on n'a jamais été dans l'espace. Même jamais au-dessus de l'orbite terrestre basse, je dirais. C'est ouf. L'espace n'existe pas, selon moi. J'y crois pas. C'est sûr. Vous parlez encore de ça ? Ouais. Certains cerveaux supportent pas la vérité. Mais c'est pas la vérité, c'est une opinion, non ? Franchement, vous m'avez gavé. Ah, les esprits inférieurs. On ira où tu voudras, quand tu voudras. Et l'on s'aimera lorsque l'amour sera mort. Toute la vie sera pareille à ce matin. C'est ridicule, 8 heures. Alors, ce sont des chercheurs en sociologie de l'Université de Cambridge qui ont traité les données sur la durée du travail de 70 000 personnes. Oui. Sachant que, ils ont constaté que le chômage n'était pas bon pour notre équilibre, mais ils sont arrivés à la conclusion qu'il n'y a pas de bénéfice pour le bien-être moral à travailler plus de 8 heures par semaine. Oui. D'ailleurs, j'y vais.